Sun Gajador, le Mauritius Derby sera couru sur 1850 mètres aujourd'hui avec deux de vos partants, Table B qui revient après sa course dans le Barbie et aussi The Great One victorieux sur 1600 mètres. Comment évaluez-vous les deux chevaux dans cette épreuve? Écoute, je suis content que peu importe ce que va être l'issue de cette course, là, cette coupe-là restera avec la famille Gajador. Bon, ceci dit, écoute, Table B a été assez impressionnant dans le Barbie. Mais c'est la première fois. Il a déjà été sur 2000 mètres, mais il n'est pas aussi efficace sur plus long que 1600. Le jockey, lui, pense qu'il va tenir. On fait un peu confiance à son jugement. Comme tu sais, il y a trois chevaux. Je sais que je dois te dire que Great One aussi aura la partie facile devant. Et le cheval de mon cousin Rames a beaucoup progressé depuis sa dernière course et il est à craindre. Je sais que l'entourage de Soubou sont très confiants et donc on verra que le meilleur gagne. Mais une chose est certaine, et moi et Ramet, nous sommes assurés d'un certain montant du Stakes Money. Et parlez-nous de Seventh Plane qui reste sur deux brillantes deuxième places. Est-ce que le cheval a progressé et qu'est-ce qu'on peut s'attendre de lui aujourd'hui? Oui, Seven Splint a progressé depuis sa dernière course. Il avait un petit problème qu'on pense avoir réglé. Dedans, il ne faut pas oublier qu'il y a Yankee Captain. Yankee Captain, comme tu sais, est en train de doubler la mise, si je peux m'exprimer ainsi. Il a couru la semaine prochaine, mais he was flying at the end. Il est à craindre dans cette course. Et Accord Loyalty, comment jugez-vous sa tenue sur le 1850 mètres qu'il aborde pour la première fois ici cet après-midi? Je crois que la façon dont il a remporté le 1600 mètres ne devrait pas lui poser de problème. Mais je dois te dire qu'il y a des bons chevaux dans cette course. Je vois Orange Tractor dans de meilleures dispositions. Rap Attack a été très, très supported. Et il ne faut pas, sous-estimer Down Under et Emma. On a décidé de mettre Brandon pour bénéficier de 3 kg, 61,5 comme tu sais, est un peu lourd. J'espère que Brandon saura tirer le maximum de lui. Et pensez-vous que Sky High Flyer peut doubler la mise dans la deuxième? Je pense que oui, mais dans cette course, on craint beaucoup Dark Force qui est dans une condition éblouissante. Je crois que il va être le plus rapide du lot, on aura à catcher ma padienne. Un petit mot sur Silver Snapples. Silver Snapples, comme tu sais, il s'entend très bien avec Aliosen. Il va bénéficier lui aussi de 2 kilos de charge. Belenos a gagné dans un bon style la dernière fois. J'espère qu'il n'y aura pas un coupe-gorge entre Silver Snapples, Belenos et Charleston Hero. Sinon, Sun, quelle est la meilleure chance de l'écurie aujourd'hui? C'est ce qu'après du contraire, je dirais Table B.